Merci. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Lénaïque. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Merci, Pélage. Merci, TVO. Merci, Hérald. Merci, toute la... J'ai reconnu plein de gens là. Waouh, ça fait plaisir. Alors, bon, voilà. Tu vas nous présenter, hein, TVO, un petit peu tout le monde. Et à côté de toi, il y a Teva, qui est le président de l'association Atauturuyana. Et Pélage, tu veux nous présenter un petit peu la soirée. Je veux juste lancer le sommaire de l'émission. Donc, mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre une fois de plus hein, pour cette émission. Donc, 100% voyage, 100% dépaysement, 100% aussi, j'ai envie de dire local, puisqu'on part à la rencontre donc, des différentes personnalités de nos îles, Caraïbes, Océans, Indien et Pacifique. Et ce soir, on est en Polynésie, mais pas que, aussi à Wallis et Futuna, puisque en backstage, donc, on a deux personnalités à vous présenter. Et c'est vrai que c'est une soirée... 100% pacifique ce soir. Donc, accrochez-vous, le voyage, il est dépaysant. On se retrouve dessus. Voilà, dépaysant. Et on va même à Paris d'abord. Alors, TVO, merci d'être présent avec nous ce soir. Et, bonsoir, TVO. Et bonsoir. Preston, voilà, pour Preston et pour tous ceux qui ne parlent pas le tahitien, il faut que tu expliques ce que signifie Atauturuyana. Alors, Paris, on sait. Atauturuyana. Atauturuyana, j'ai appris à prononcer cela. Atauturuyana signifie aidons-les, aidons leur. Voilà, tout simplement. D'accord. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, derrière cette phrase, aidons-les? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Tu veux parler, président? Je laisse parler le président. Yorana, tout le monde. C'est juste un mot simple. Pour un travail qui est simple.
Du moment où tu condamnes et toi avec le cœur et tout le reste, il suit. Voilà. Pour imaginer tout le. Alors, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Vous êtes venu nous voir ce soir, forcément. C'est pour une raison bien précise. Alors, on a envie de vous montrer donc à notre audience, hein, donc dans nos îles, en fait, par rapport aux différentes personnes qui nous regardent et aussi ceux qui sont en replay. On rappelle aussi qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent. Donc, vous avez une association à Paris qui milite, qui mène un combat, une noble cause. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En gros, et tout notre rôle au sein de l'association, c'est d'aider tous nos prochains qui viennent de la Polynésie, qui sont évasanés et tout pour des problèmes et tout de santé, toutes sortes de maladies, et qui sont un peu perdus et tout une fois arrivés en France, et surtout et tout sur Paris. On est là et tout pour les soutenir et tout moralement, en leur apportant et tout notre aide et tout physique, verbale, leur donner un peu de baume au cœur, un peu de soleil de la Polynésie par l'intermédiaire et tout de nos visites. Mmh. Voilà. Et on essaye et tout de, comment on appelle, qu'ils évitent et tout de penser et tout à leur maladie par nos visites, par le partage et tout entre la vie qu'on a en France et la difficulté et tout qu'ils, eux, ont par rapport à leur maladie, par rapport à l'éloignement et tout, par rapport à la Polynésie. On a tellement de choses à dire que les 20 minutes... voilà. Parce que les personnes qui viennent de la Polynésie, c'est des personnes qui peuvent aussi bien venir de Tahiti ou qui viennent des atolls de Tuamotu. Qui n'ont jamais quitté toute la petite île et se retrouver tout en France à cause de leur maladie, c'est très difficile pour eux. Donc nous, on est là pour essayer tout de les aider tout, dans tous les sens du terme. Oui, au niveau administratif, au niveau relation avec l'hôpital, parce que comme tu le disais, quand quelqu'un vient des îles, parfois... parle à peine le français, donc il faut que vous soyez là comme traducteur, en fait. Hein. Donc, il y a à plein de niveaux, vous intervenez. Ben, on intervient à tous les niveaux. Là, par exemple, pour le froid, on essaie de trouver des vêtements chauds, comme des blousons. Ce truc-là, ça n'existe pas en Polynésie. le truc le plus... ça, c'est le sweat. Voilà, c'est les souhaitables. Alors, donc, effectivement, on parle de choc climatique. C'est vrai que ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc, sortir, quitter son territoire, son pays lointain, venir ici des fois pour la première fois. La première fois, donc, du coup, c'est un choc climatique, un choc culturel également. Donc, vous faites office d'accompagnement donc par rapport à ces personnes qui subissent déjà la maladie, qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Et on essaye de garder le lien aussi avec la famille en Polynésie. Parce qu'il y a aussi, comment on appelle ça, l'évolution par rapport à Internet, par Facebook. On a perdu le président. Donc, on est là aussi pour... Des soucis de connexion. La connexion avec... On va retrouver la connexion bientôt. Mais c'est vrai que... Allô, il y a quelqu'un... C'est bon, ils sont là. Ils n'ont pas disparu. Ouais. Donc, on essaie et tout d'améliorer ça et de rassurer la famille comme quoi ils vont bien malgré toute cette maladie. Donc, on est là pour ça aussi. Oui, c'est ça, donner des nouvelles, en tout cas faciliter la communication entre le Fénois, donc le pays à Tahiti et dans les îles, et la métropole. Et ce n'est pas toujours évident parce que, en plus, les malades, quand ils arrivent, ils sont répartis, enfin, ils ne sont pas tous à Paris, il y a plusieurs hôpitaux. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et on a en moyenne et tout 150, un minimum hein, de 150 malades évasanés en France. Waouh. Et répartis sur Paris et sa région. Ok. Évasanés, on va expliquer aussi. Tu sais ce que ça veut dire, Pélage? Non. Alors, évasanés, c'est vrai que c'est devenu un mot courant hein, en Polynésie, c'est évacué sanitaire. Ça veut dire que on décide évasané. qu'il...
qu'il quitte son île pour aller quelque part. Alors, ça peut être la Nouvelle-Zélande, ça peut être la métropole, mais c'est beaucoup la métropole aussi. Et il y a des Atauturuyana un petit peu partout, d'ailleurs, en Polynésie. Il y en a un à Paris. Il y a une fédération qui chapeaute tout ça. Voilà, c'est ça. On a une fédération et tout à Tahiti qui réunit plusieurs associations des îles. Et grâce à eux, on a une petite subvention et une petite aide pécuniaire qui n'est jamais suffisant et tout pour pouvoir aider et tout l'association à fonctionner bien, on va dire. Avec ça veut dire que vous avez quoi comme budget aujourd'hui? C'est une très bonne question. Alors c'est l'occasion d'en parler justement. Ouais. Il y a des gens qui vont regarder. Notre président, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de subvention. Il faut être clair et net. Nous n'avons pas de subvention. Non pas que le territoire ne nous en donne pas. Il faut être clair et net aussi. C'est simplement que le temps que nous arrivions dans le groupe, parce que nous sommes là que depuis juillet. Les demandes de subventions sont débutées l'année d'avant. En fait. D'accord. Donc là, vous marchez à vide, quoi. C'est-à-dire que là, heureusement qu'il y a des bénévoles, parce que sinon, vous pourriez rien faire. Nous avons effectivement une fédération autour de laquelle gravitent plusieurs autres associations. Malheureusement, la COVID a fait que énormément d'associations à Tahiti. Il y en a des relais, que ce soit sur la Polynésie, sur Tahiti, dans les îles, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Qui dit beaucoup moins, dit peu de donations, peu d'adhésions, et que de ce fait, nous ne pouvons pas aider nos patients qui sont en France, qui sont dans le besoin. Et quelles sont les actions que vous mettez en œuvre justement pour trouver soit des subventions ou encore... Ça tombe bien, parce que là, du coup, tu nous mets sur une bonne transition. Aujourd'hui, plusieurs artistes sont venus des quatre coins de la France. S'ils sont venus ici, c'est à l'appel de deux bénévoles qui ont pensé une idée de monter un clip vidéo dans lequel un texte a été écrit pour ces patients, pour expliquer au monde entier que nos compatriotes, que ce soit Tahitiens, Wallisiens, Calédoniens, sont dans le besoin. Notre ingénieur du son, Ali Ipeu, a proposé ce texte à plusieurs artistes. Et tous ces artistes sont venus à Paris ce soir. Et vous l'avez vu au tout début. C'est génial, c'est super. Ouais, alors, il faut que tu nous les présentes justement, parce que Preston ne connaît pas tout le monde. Oui, effectivement. Il faut que tu nous montres qui est dans toute cette équipe là, parce que j'en ai reconnu quelques-uns, quelques-unes, mais c'est vraiment un formidable élan de cœur. Il me semble qu'il y a des personnalités parmi eux. Voilà. Oui. Ils vont venir au fur et à mesure, ils vont se présenter eux-mêmes. Allez, c'est parti, on y va. C'est plus facile, hein. Alors, qui va se présenter en premier? Bonsoir. Yaora. Yaora. Je te présente. Bon, elle a rien dit. Elle a... Bonsoir. Yaora. Présente-toi, Corinne. Ça fait quelques années que je vis en France. Waouh. Super. Bravo, merci d'avoir répondu. Allez, bonne soirée. Je pense que vous connaissez tous la Polynésie française, connaissez tous le papa de Corinne Kiatia. Ah. Oui. C'est ta cour. Oui. Alors, la suite des artistes qui ont répondu à cet appel. Alors, qui est... Bonsoir, Yaorana. C'est l'association Le Souffle Maori. Devane avec Katiana et Leïa. Et puis, on est ravis de faire partie de l'équipe et c'est vraiment un honneur pour nous faire ça pour l'association Interfluviale. Merci, merci. Bravo, bienvenue. Merci à vous.
sachez que Corinne, elle nous vient de Lille. Lille. Oui, elle vient de la Bretagne. Mariana, que vous connaissez tous. Mariana, elle est arrivée d'où? De Paris. De Paris. Super. Nous avons suivant, fin de l'île. Suivant ou suivante. Ça va faire plus de 20 ans qu'on m'a plus entendu et vu ce thème. Donc c'est un honneur de venir ici en France et partager notre passion de la musique et aider l'association à Totonouyan. Merci, Maruru. Bonne soirée. Attention. Laurent de Gache. Et on est très fiers d'être là pour les malades. Et il y a beaucoup de personnes qu'il faut montrer avant nous. Ce sont les aidants aussi qui sont là 24 sur 24 toute l'année, depuis des années. Donc nous, on est juste un petit grain de sable qui veut nous un peu un coup de main, mais ce qu'il faut mettre à l'honneur, je pense, c'est les aidants, c'est pour ça qu'on est là, et pour les malades, bien sûr. Merci Laurent. Ce n'est pas à côté, chers amis. Alors là, attention. Là on a la star du rock'n'roll. Oui. Youhou. Lui, il est très connu sur les réseaux. Oui, c'est Théo. À réaliser ce projet, à contribuer à la réalisation de ce projet, parce que Dieu sait que la musique, les Polynésiens sont très attachés à leur musique. Et oui. Je pense que ça apporte toujours un bon sens pour les malades. Et je pense que la musique apporte aussi la douceur et la dignité pour chacun. Et quand ils entendent des mélodies, je sais que les Polynésiens adorent chanter. Et je pense que ce projet à laquelle je contribue avec tous les artistes qui sont là et les réalisateurs et ainsi le président de Atotunuyana est une très bonne chose parce que c'est bien la première fois qu'on a pu réaliser une telle projet qui, comme ça. Waouh! C'est génial. J'aime la musique et vous avez vu dans tous les événements qui se passent, même quand on est mort, les Polynésiens continuent à chanter. Je dis que les Polynésiens adorent la musique et ce projet est un des meilleurs projets pour nos malades polynésiens. Voilà, merci à tous. Merci, Maruru. Maruru Théo. Merci beaucoup. Un très bel engagement de vous tous. C'est très important dans ce projet. C'est notre tête pensante. Alors, c'est qui la tête pensante? C'est Hérald, c'est celui qui compose. C'est l'ingénieur. Tu veux dire un mot? Bonsoir. Je m'appelle Hérald Aripeu. Je suis ici, comme vous avez vu, tous les artistes qui sont ici du Fénou, qui vivent ici en France, je serai le guide technique côté studio et côté chant. Et, voilà. Après le reste, c'est leur cœur qui parle. Merci, Maruru Hérald. Merci beaucoup. Alors, TV, juste pour terminer, parce que le temps passe très très vite, rappelle-nous ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que là, il y a le clip qui est en préparation ou il est déjà prêt? Là, vous allez partir travailler? Comment ça va se passer? Nous sommes arrivés, nous avons déjà commencé à travailler ce soir. Demain, toute la journée, nous serons dans un studio d'enregistrement professionnel où a été enregistré Jean-Jacques Goldman, Les Restos du Cœur. Et ce même studio, l'ingénieur du son, nous offre gracieusement tout son infrastructure. Waouh, ça c'est sympa. C'est notre à chacun. Et ce clip, et je remercie votre présence pour qu'on puisse passer le message, les fonds qu'on puisse récolter, ça sera uniquement 100% pour les patients, pour tous les patients qui sont ici, parce qu'ils en ont besoin. Avoir des billets de métro, il faut de l'argent. Avoir une carte ZIM, il faut de l'argent, n'est-ce pas, Président? Et tout ça, on ne peut pas, au bout d'un moment, on ne peut pas donner de notre poche. Oui, Et les bénévoles, aller au contact des patients, il faut de quoi donner un coup de main. Voilà.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment une cause noble. Hein. Effectivement, comme toute association, vous avez aussi besoin d'argent pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir venir en aide aux malades par rapport aux différentes structures, aux différentes choses que vous mettez en place. Et donc, vraiment, on retient le nom de votre association. Je vais, de toutes les façons... Atautoruyana. En tout cas, merci mille fois, toutes et tous, d'avoir chanté pour nous aussi ce soir, d'avoir donné le message. Effectivement, il faut partager maintenant, hein, celles et ceux qui êtes en direct, partager cette émission. Que vous la regardiez en direct ou en replay, partagez. Pour aider c'est très important. Si je peux me permettre, je veux saluer aussi la plateforme de Iamoui. Un grand merci à Amoui comme vous qui nous aidez en fait. Ah merci. Oui, avec Tema Eva qui est extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire pour donner la parole aux Polynésiens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Téveo, merci Téva, et puis bon appétit, et on reste au courant, hein, et on s'appelle et on se rappelle. Fait des émissions, d'accord? Tout à fait. Nana. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée, donc qui est Michael Etui, c'est qui Michael Etui? C'est un conférencier, il a plusieurs casquettes, hein, à la fois. Vous verrez que c'est vraiment quelqu'un de très, très sympathique. Je dirais, avant toute chose, c'est un ambassadeur de sa culture, de ses traditions, de son archipel, de son île, hein, donc Wallis et Futuna. Vous verrez, c'est quelqu'un qui parle avec passion de son pays, passion de ses traditions. Et Michael Etui, c'est quelqu'un qui a vraiment grand cœur, vraiment. On a plaisir à vous le présenter ce soir. Donc, sans plus tarder, on va l'accueillir. Quand je l'ai découvert, j'ai dit « Oh, ce monsieur, je veux qu'il nous apprenne plein de choses sur Wallis, notamment. » Parce que Michaele, tu es conférencier, mais on peut t'appeler roi aussi dans ton île, par rapport à la chefferie royale dont tu fais partie. Si tu permets, Lénaïque. Hein. J'ai préparé une petite présentation parce que la personne que vous voyez en face de vous, c'est un grand homme. Donc forcément, il fallait que je lui fasse une présentation à la mesure, à la taille de son aura, de ce qu'il dégage. Alors, tu as un parcours atypique, donc tu es prêt, tu as été traducteur, journaliste, responsable du patrimoine de la culture à Wallis et Futuna. Donc, tu as été aussi syndicaliste, donc pour dire hein, toutes les fonctions que tu as occupées. Observateur à Météo France, tu as été aussi Mahé, ça veut dire ministre coutumier, donc dans ton pays, et puis tu es venu dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, pourquoi? Parce que tu avais quelques soucis de santé, donc tu es venu te soigner donc ici, et donc ici, donc tu as eu vraiment à cœur de faire découvrir donc ton archipel, Wallis et Futuna, qui est sous-représenté, donc c'est ce qu'il nous disait, donc hors antenne, qui est sous-représenté dans l'Hexagone. Wallis et Futuna, donc on a plaisir à vous faire connaître, que ce soit sur la page de Culturel ou encore sur la page de Lénaïque Berthaud. Vous verrez, c'est vraiment un très très beau pays également. Et tu as été anthropologue et président d'association. Donc beaucoup de titres qui te caractérisent et qui font de toi tout ce que tu es aujourd'hui. Oui, merci pour l'éloge, mais je ne pense pas en mériter autant. C'est très sympathique de faire une sorte d'énumération des différentes activités que j'ai pu réaliser moi à Wallis et Futuna, et toujours avec des engagements bien précis, essentiellement dans la culture, et que j'ai eu à un moment donné à porter des responsabilités, des titres coutumiers dans le gouvernement royal d'un souverain décédé aujourd'hui. Et donc, si je suis en métropole, je rejoins un petit peu ce que disait Lénaïque tout à l'heure. Je fais partie de la catégorie de la diaspora wallisienne et futunienne qui a été évassanée. Donc, je suis là pour des raisons de santé et pour ne pas vous cacher, je suis traité sous chimiothérapie pour un cancer. Et puis voilà, ça fait 6 ans que ça dure. Je touche du bois, c'est la vie de château pour eux que ça dure. Effectivement, la modeste présentation que je puisse apporter
et compléter un petit peu l'éloge que m'a fait. Je pense que tu fais beaucoup quand même pour la communauté wallisienne et futunienne, donc ici dans l'Hexagone. Oui, je t'en prie. Oui, parce que effectivement, quand je suis arrivé ici, bon, enfin, j'ai déjà vadrouillé assez longuement du temps de mon activité professionnelle, notamment en termes de culture, où j'ai atterri à des endroits inespérés, parce que savez-vous que Wallis et Futuna sont issus d'un peuple de tradition orale. Et de facto, l'écrit, ça ne reste que pour l'Occident, quoi. Et tout est dans la tête du Wallisien et du Futunien. C'est comme ça que j'ai atterri à Rome, dans l'annexe des archives du Vatican, en Israël, à Jérusalem, voilà, bref. Et ça m'a permis aussi d'être relativement souvent dans les archives en métropole. Fontainebleau, pour les archives contemporaines et politiques des îles de l'Outre-mer. À Aix-en-Provence, où un ancien ministre, Philippe Douste-Blazy, avait concentré tout ce qui traînait, enfin, tout ce qui était éparpillé dans l'Hexagone, pour en faire un centre de l'Outre-mer. Alors, à Marseille, donc à Aix-en-Provence, ça va du Sahara jusqu'au Tonkin, la Cochinchine, le Pacifique, et voilà. Mais c'est très passionnant. Quand vous feuillez, est-ce que tu as trouvé des choses, est-ce que tu as découvert des choses que tu ne savais pas du tout et que là tu t'es dit waouh, mais on devrait apprendre tout ça? Vous allez être surpris. Mais tant qu'à faire, la question, elle est posée. Je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue dans la poche, mais je vais abréger. J'ai découvert toutes les subtilités de la France coloniale pour posséder Wallis et Futuna sans être colonisé. Voilà. Le résumé, il est là. On s'est fait avoir, entre guillemets, et j'engage ma responsabilité. Parce qu'au moment où De Gaulle, en 1959, prononce un discours émancipatif au peuple africain en disant « Allez, retrouvez votre liberté, retrouvez la gestion, devenez vous-même autonome, gérant, comptable de votre société africaine. » Ben nous, on a fait l'inverse, parce qu'on a été plébiscité. Du style, le référendum avait deux bulletins. « Voulez-vous rester français ? Oui ou non ?» Alors, la subtilité là, hein, que chacun en prend à son grade. La subtilité qui résidait dans ce bulletin, c'est qu'il y avait deux couleurs différentes. Pour distinguer le oui du non, parce que le Wallisien, en grande majorité, ne savait pas trop lire. Ah oui. Voilà les subtilités que j'ai découvertes. En plus, ce référendum a tellement été travaillé, martelé, harcelé, que c'était un vote à la russe, 99,99 quelque chose pour cent de oui, pour rester dans la France. Ça nous rappelle quelque chose, un événement pas si lointain. Et puis voilà. Voilà, ça fait, c'est aujourd'hui anecdotique. Oui. Parce que le temps a passé. On est dans une période de prescription dans ce genre d'archives. Mais ça reste dans ma mémoire. La subtilité. Et il y a une sorte de spéculation, vous allez me pardonner le mot, il y a une spéculation sur la niaiserie du peuple. Voilà. Oui. Et ça continue, alors, j'ai l'impression un peu, non, Michael? Faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur de le dire. Quand tu parles de spéculation, est-ce que, juste pour clarifier les choses, est-ce que tu penses aux a priori, aux préjugés? Ben absolument. Absolument. Je ne peux pas penser autre chose. Il y a eu des a priori. Pourquoi? Parce que la France a la faculté de former des gens pour étudier des stratégies. Stratégie internationale, locale, hexagonale et tout ce qui s'ensuit. Or, Wallis figurait sur une géolocalisation importante en dépit de sa miniature. En dépit de sa petitesse, parce que c'est un croisement entre les Américains, les Japonais et les Chinois. D'accord. C'est un lieu stratégique, tu veux dire.
Et voilà. Voilà. Mm. Donc toi, en tant que défenseur de ta culture, alors non seulement tu as une grande connaissance, mais tu as aussi aujourd'hui le devoir de partager tout ça. Donc comment tu fais pour partager tout ton savoir, toutes tes connaissances, tout ce que tu apprends à, bah déjà aux gens de Wallis et puis après à tous ceux qui sont intéressés? Alors, c'est vrai que dans mon malheur, quelque chose a été bon. Il est si bien dit en français qu'à tout malheur, quelque chose est bon. Moi, quand je suis venu pour une thérapie qu'on ne pouvait pas me prodiguer à Wallis, eh ben, j'ai tout simplement découvert l'invisibilité de la diaspora wallisienne et futunienne dans l'Hexagone. Et c'est mon combat aujourd'hui, c'est mon engagement pour éviter à ce que les décisions gouvernementales qui partent de Paris se fassent in absentia. Et un raisonnement in abstracto. Le gouvernement décide pour des gens qui sont à 22 000 km d'ici et pour la plupart n'ont jamais mis les pieds à Wallis pour cette réalité et conformer une décision, un décret gouvernemental pour que la population retrouve et retombe sur ses pattes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ouais. Pour remettre les choses un peu aussi en perspective, donc au niveau de la gouvernance locale, c'est, vous avez une gouvernance qui est régie par la chefferie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et surtout bien expliquer la différence qu'il y a par rapport à la culture occidentale et la culture du Pacifique? Alors, d'entrée de jeu, chers amis, pour résumer, et après je vais détailler, mais alors de façon bien mesurée, le statut de Wallis et Futuna, qui le régit actuellement, taillé sur mesure par le gaullisme, le général de Gaulle, en 1959, ça se résume à une boîte de Pandore. Parce que c'est tellement désuète, c'est tombé dans une caducité remarquable que le gouvernement local, donc le roi, ses sujets, sa chefferie, ne savent plus voilà, sur quel pied danser. Parce que la République a des principes. Et ces principes-là, on n'y déroge pas sans être puni lorsqu'on transgresse. Mais aujourd'hui, l'État a remarqué cette difficulté et ce mariage contre nature pour avoir, dans le statut de 61, autorisé la gouvernance de trois rois. Mais c'est contre nature. Et dans la Constitution de 58, c'est bien reconnu, mais avec subtilité encore. La France laisse entendre, avec la subtilité de la langue de Molière, la France, dans son décret, laisse entendre l'existence de trois souverains, mais ne les reconnaît pas en tant que pouvoir. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de pouvoir aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre de décision spécifique à l'île. C'est là où réside la difficulté. Entre guillemets, moi je vais parler de façon un petit peu populaire pour éviter le truc, parce que j'ai l'impression de faire un cours magistral. Un cours magistral. Ah, mais moi je suis d'accord. Hein. mais vraiment, on s'abreuve de ta parole. Hein. C'est vrai que c'est très intéressant. Lorsque je tiens des conférences dans ce style, premièrement, ça décoiffe, parce que je n'ai pas le temps de m'embêter avec... Les politesses. Avec des politesses obséquieuses. Hein. Bon. Et oui. Mais là, pour parler très honnêtement de ce qui se passe à Wallis, la souveraineté de nos monarques exerce pleinement. Mais tout est contraire au principe de la République, où la République donne la parole au peuple, alors que nous, c'est autoritariste et absolutiste. Mm-hmm. Le préfet là-dedans, passez-moi l'expression, il a le cul entre deux chaises. Oui, il est même pris en sandwich, j'ai envie de dire. Bien, hein. Bien évidemment. Ouais, c'est mieux le sandwich que... que le fessier. C'est mieux le sandwich que le fessier entre deux chaises, oui. Exactement. Mais je ne vais pas rester impoli dans cette histoire. Voyez-vous que le préfet, la France, piège tous les préfets. En ce sens que, pour la sardine à l'épaulette du préfet,
parce qu'il est envoyé là-bas, préfet de par sa fonction, mais graduellement, c'est un sous-préfet. Donc, il doit faire ses preuves à Wallis pour essayer de démêler ce nœud gordien. Oh là là, quelle mission! Comment? Ben oui. Et la plupart du temps, quand ils rentrent en France, qu'ils n'ont pas réussi, ils sont placardisés. Ah, ben ça, c'est pas cool. C'est sympa de dire ça aussi, Michaëlle, du préfet, parce que c'est vrai que quelqu'un qui vient de l'administration, on pourrait le diaboliser, lui dire « Ah, c'est vraiment nul », etc. Et finalement, il y a beaucoup d'empathie dans ce que tu dis. Ah ben, mais bien sûr. Moi, j'ai tout le temps servi de traducteur entre un préfet, la plupart du temps, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, machin, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi j'ai été pressenti? C'est que la chefferie a remarqué, entre guillemets, mais je ne suis pas là pour faire de l'étalage. J'avais une certaine maîtrise de la langue française. Et que. Et j'ai envie de te poser comme question, justement, comment se passe la cohabitation, justement, alors, entre une tradition, une culture séculaire, alors, hein, y a une par cohabitation, rapport à une culture beaucoup plus moderne. Mais c'est une cohabitation bidouillée. Oui, elle est faussée déjà dès le départ. Quoi. Voilà. C'est déjà, comment dirais-je, infléchi dès le départ, pour permettre une coexistence qui est anormale. La République ne peut pas côtoyer des rois, bon sang. Et c'est le cas à Wallis. Donc c'est cette forme de gouvernance qui fait que Wallis est l'enfant perdu, l'enfant oublié, l'enfant mal aimé, le petit poussé de la République et tout ce qui s'ensuit. Voilà ce qui caractérise Wallis et Futuna. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est défavorisé, parce que l'État, nous on vit sur les subventions de transfert de l'État pour payer des fonctionnaires. On ne produit rien, on n'offre rien économiquement parlant. Ça se développe petit à petit, mais on a quand même 61 ans de statut de territoire où l'économie est à la charge et à l'aide de l'État pour le mettre en activité. Or, quand les préfets arrivent là-bas, qui butent contre une chefferie qui dit « ce foncier nous appartient, vous n'avez pas le droit de rien faire dessus », eh ben, il n'y a pas de tout. Ouais. C'est-à-dire que le préfet fait profil bas, quoi. Tout à fait, parce qu'il n'a pas envie de… Alors, c'est classique à Wallis. Un préfet qui déconne, entre guillemets, enfin… pardonnez-moi, un préfet qui applique au pied de la lettre les directives de la République et que la chefferie ne trouve pas ça conforme à leur gestion et à la comptabilité du peuple, eh ben il se trouve que le préfet prend l'avion. Ils appellent ça. C'est devenu proverbial. Quand un préfet n'est pas conforme aux exigences de la chefferie, il prend un billet bleu. Un billet bleu, c'est ce qu'on lui offre. Ils ne se sont pas donné le mot entre, depuis, là, les préfets, de dire non, on refuse Wallis, on n'y va plus. Ouais, c'est une mauvaise offre, une mauvaise impression. Michaëlle, il faudrait faire une émission, en fait, uniquement alors, avec toi, parce que là, on a juste fait que survoler, en fait, le statut de Wallis, mais on n'a pas parlé des cultures, des traditions, et on arrive déjà à nos 20 minutes d'émission avec toi. Je sais que demain, tu vas être de nouveau invité par Preston sur l'émission littéraire de Culturil. Donc, tu auras encore l'occasion de t'exprimer. Mais moi, j'aimerais bien que tu reviennes pour parler de culture, de tradition, bientôt. Ça te va? On te réinvite, hein? Oui, tout à fait. Un tout dernier mot, avant que vous me virez de l'écran. Là, mon engagement en métropole, c'est de vitriner cette fameuse culture qui est invisible. C'est de vitriner un peuple qui appartient à la France de par la Constitution de 58, qui a accepté le pluralisme culturel, mais on est derrière le tableau noir, quoi, comme on dit. En tout cas, c'est vraiment super, Michaëlle. Alors, Michaëlle vous a donné un avant-goût, hein, effectivement, d'émission qui va se dérouler demain, si ce sera sur le thème
de la lutte, des luttes pour la dignité. Donc, on aura l'occasion d'accueillir deux écrivains plus lui. Donc, on aura donc Denis Pouara, donc qui est un écrivain poète et essayiste de Nouvelle-Calédonie. On aura également Mathieu Gama, qui est l'auteur d'un best-seller « Le jour où les Antilles feront peuple ». On aura également donc Michael Etsui, donc que vous avez vu ce soir à l'écran, qui vous a donné un avant-goût hein, de l'histoire de Wallis et Futuna. Je vous promets vraiment une émission très très riche, très très dense en termes de culture, d'information. Et je vous invite vraiment à vous connecter demain à partir de 19h. Voilà, et je mets tout de suite hein, dans les commentaires, donc vous retrouverez ça sur les commentaires de la page Culturelle et sur la chaîne YouTube et Twitch, le lien direct pour l'association dont Michaele est président, donc Fela VI FIA FIA, j'ai bien dit ça, Michaele? Oh là là, que c'est parfait. T'es un amour, je te réinviterai. Je devais te noter, t'as 9 sur 10. Voilà. Que 9? Pourquoi pas 10? Bah, c'est parce que je suis pas wallisienne, c'est ça, c'est le un point qui manque parce que je suis pas wallisienne. Merci Michaele d'avoir été bon, merci passé beaucoup, ce moment Michaele. Avec nous. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous. Et on se dit à demain. Et bonne émission demain. Voilà, donc, alors je te laisse annoncer notre dernier invité ce soir. Super, super moment de culture et d'histoire encore. Hein. Donc là, on va accueillir donc, notre dernier invité qui est Taoga Moa. Visiblement, on ne prononce pas le G. T'as besoin de moi, c'est ça? Non, pas du tout. Je vais m'en sortir, ne t'en fais pas. Donc lui, il nous raconte qu'il a été guidé, influencé donc, par ses racines, hein, donc il se nourrit de souvenirs de sa grand-mère, hein, qui lui a appris beaucoup de choses par rapport à son île, Futuna, donc c'est un futunien. Il est artiste peintre, donc il se sert des traditions, il fait un mélange, un savant mélange de la culture traditionnelle et aussi de la culture contemporaine pour tout mettre dans ses créations qui sont vraiment extraordinaires. Il œuvre en région parisienne et on avait vraiment envie de vous faire découvrir ce soir Malécello, qui va nous rejoindre de suite. Et qui va nous parler de son art, de sa passion, et surtout comment est-ce qu'il est arrivé donc à ce degré de résultat. Il est extraordinaire. Bon, eh bien, on accueille tout de suite notre invité. Hop. Bonsoir. Bon, je vais m'y aventurer de nouveau. Taoga Moa. Voilà. Taoga Moa. C'est pas évident. Non, mais cela dit, j'ai bien retenu. Je pense avoir bien retenu. En tout cas, merci d'avoir répondu présent donc à cette invitation, donc pour nous parler de ta culture futunienne. Alors, je précise, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous êtes à plus de 22 000 km, hein, donc de Paris. C'est extrêmement loin. C'est de l'autre côté du globe. Et toi, donc du coup, tu as aussi à cœur de faire connaître ta culture à travers ta passion, ton art, qui est bien la sculpture et la peinture. La peinture, voilà. Comment est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as commencé donc cette aventure pour faire connaître à travers tes arts ta culture? J'ai commencé à l'école, en dessinant un peu avec les cours de dessin, tout ça. Et puis, j'ai commencé par la peinture à l'huile, la peinture acrylique, tout ça. Mais après, je me suis dit, bon, il faut quand même que je développe, que j'apprenne à améliorer ma technique, la technique de dessiner, de peindre. Mais à Futuna, il n'y avait pas de structure, d'atelier pour qui propose des cours, tout ça. Donc, c'est pour ça, en arrivant en métropole pour mon service militaire, après, je me suis engagé dans l'armée de l'air, que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait pas mal de méthodes pour travailler l'art, donc la peinture, la sculpture, puis autre manière de travailler. Et c'est comme ça que j'ai, petit à petit, tâtonné pour arriver Un résultat voilà, uniquement à moi, voilà.
Oui. Bon, en tout cas, il faut que tu t'appropries toutes ces techniques pour créer ton propre, ta propre œuvre. Quoi. Ouais. Voilà, mais j'ai pas encore, pour l'instant, je ne suis pas encore satisfait. Donc, je suis toujours dans le tâtonnement, même si le résultat est là, mais je continue toujours à rechercher, à développer. Alors, j'ai relevé l'une de tes phrases hein, que tu as dit. Donc, tu dis « Mes œuvres rassemblent les peuples autour d'une idée commune ». Oui, en fait, c'était en 2008. J'ai pas la, avec, c'est dans la cave. J'ai réalisé en fait un cube où j'ai dit qu'il n'y avait pas que 5 continents, il y a 6 continents. Et j'ai séparé l'Inde de l'Asie. Pour moi, l'Inde, c'est un continent à part entière. Et donc, j'ai créé ce cube où il y a les visages de chaque continent. Et à partir de là, j'ai dit, bon, ce cube, il y a quand même... Donc, c'était dans une boule de feu dans mon ventre. Et donc, je voulais montrer que à partir de ce cube, il y a quelque chose. Et petit à petit, je commençais à découvrir parce qu'en fait, chez nous, on croit, on a plusieurs croyances avant que la religion catholique arrive. On croit à la force de la nature, c'est-à-dire la tortue, la pieuvre, la baleine. Donc, c'est notre énergie de tout ça. Et quand j'entends, en fait, maintenant, quand on dit que voilà, la religion elle est arrivée, on était dans l'époque du paganisme, pour moi, en fait, on avait déjà une religion, sauf que les gens ne l'ont pas pratiquée. Les gens, ils l'ont oublié parce qu'ils sont arrivés, ils ont imposé leur religion et donc on a mis de côté notre religion. Maintenant, en pratique, on dit la coutume, mais ce n'est pas la totalité parce qu'on a oublié la religion. Parce qu'il y avait le roi. Mais, excuse-moi, mais je rentre dans tout ça. Le roi, Avec plaisir. Le roi, c'était le représentant. Dans notre tradition, ils représentent de Dieu sur terre. Donc, pour moi, on était déjà des religieux. Voilà. Oui, et puis il y avait, comme en Polynésie certainement, un dieu pour la récolte, dieu pour la pêche, un dieu, voilà. Et c'est vrai que la colonisation a fait du mal, parce qu'il y a eu une vraie acculturation et déculturation, et on a dû oublier quand j'écoute Mika... ce qu'il vient de dire. C'est vrai ce qu'il dit, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est à nous aussi de se forger et de se dire qu'on peut dire non à cette parce que la chefferie, on touche de l'argent de l'État, mais on peut refuser. On peut leur dire, voilà, on peut pas toucher les subventions, on peut retourner à notre culture. C'est ça que les gens de chez nous comprennent ça. Si on veut garder, il y a des choses à faire, on n'est pas juste victime, quoi. Voilà, il y a des choses à faire et c'est à nous, c'est pas, il ne faut pas attendre la République, c'est la faute de la France, quoi que ce soit. D'ailleurs, Michaelé l'a bien dit, ils ne trouvent pas de solution, de toute façon, parce qu'ils ont autorisé quelque chose qui, dans la République, n'est pas autorisé. C'est nous, oui. C'est nous, Foutonnés à Wallisiens. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, hein, en quelque sorte, au niveau du peuple, au niveau de chaque personne, chaque individu. Tu disais donc tout à l'heure que tu rassembles les peuples. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que tu es humaniste? Oui, je suis humaniste. Et en fait, à travers cette vision que j'avais eue en 2008, c'est que chaque... Moi, je reviens sur la religion, je m'excuse auprès des religions. Avec plaisir, oui. Mais en fait, pour moi, on n'a qu'une seule religion. La seule religion qu'on a, c'est notre planète. La force vient de cette planète, donc c'est notre seule religion. Après, le reste, c'est à chacun, mais c'est d'abord la planète. Donc, à travers cette cube, en fait, ce cube, c'est un message que je voulais faire passer à travers tout ça, mais je n'ai pas encore mis en... Oui, mais tu commences déjà à avoir ce discours dans tes œuvres. On voit une partie de tes œuvres derrière toi. Je vais en montrer quelques-unes. Celle qui est derrière toi, là, tu peux montrer un petit peu avec la caméra ou pas? Oui. Voilà. Donc comme ça, c'est quoi? C'est une femme qui s'endort sur l'eau. Ah oui, elle est couchée, effectivement. Oui.
Et alors, on voit le reflet, comme j'expliquais à Preston, que en fait, une toile, pour moi, on le voit en pleine lumière. On a toutes les couleurs qui est reflétée. Mais aussi, ma vision, c'est de voir la toile sans la lumière. Et c'est ça le truc en plus. C'est déjà derrière, on voit le reflet. C'est comme, pour moi, en fait, parce que l'eau chez nous, c'est important. C'est oui, sacré chez nous. Vous êtes entouré d'eau. Donc, même. Tout est rapport à la nature, d'une certaine manière. Hein. Et le fait, en fait, qu'on éteint la lumière et qu'on a cette reflet de ma toile, c'est comme si l'eau reflétait en fait la lumière. Et, et comme l'eau est sacrée, c'est-à-dire qu'on voit toutes les couleurs, mais une fois que la lumière est éteinte, l'eau, il voit le reflet des toiles, on voit en fait une lumière blanche, c'est-à-dire qu'il y a toutes les couleurs dedans. Waouh! Oui, effectivement, dans le blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Voilà, donc c'est ça en fait ma démarche par rapport au développement de ma méthode de peinture. Alors, tu te rappelles lorsqu'on a échangé, je te disais que ça ressemble beaucoup à la céramique. Oui. Et tu m'expliquais que c'est une matière que tu utilises, une matière que tu... La peinture vitrail à froid, j'utilise. Et donc là, c'est pas la peinture, c'est juste sur une feuille, donc c'est au feutre. Mais sinon, le reste, voilà, la tortue, parce que c'est sacré chez nous. Oui. Un ballon de rugby. Voilà, un ballon de rugby avec l'écorce de mûrier à papier. Oui, ça aussi, ça a été une aventure pour toi, parce que tu as été voir les femmes, parce que normalement, ce sont les femmes qui dessinent sur le tapin. Donc, il a fallu que tu ailles voir les femmes pour apprendre. Parce que je voulais justement le sens des motifs. Et personne n'a su m'expliquer, en fait, le triangle. Personne n'a su m'expliquer à quoi ça veut dire. Oui, mais on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce que Michaela disait, c'est que quand la colonisation est arrivée, les traditions ont été perdues et ensuite on s'est raccroché à des écrits de colonisateurs. Alors ça pouvait être les religieux ou les scientifiques, mais on s'est raccroché à ça pour se réapproprier la culture, mais effectivement il manque des bouts. Oui, parce que tout se faisait par la transmission orale, hein, donc comme il disait. Oui, la transmission orale, il y a aussi les danses, à travers les danses, parce qu'il y a plusieurs danses, et à travers les danses, il y a aussi la transmission de l'histoire. Et c'est ça, il faut bien écouter les danses, il faut bien écouter les Faramata là chez nous, parce qu'il y a je trouve pas le mot en fait, il y a des mots codés, en fait, comme des phrases justement justifier l'histoire. Et puis la traduction, tu vois, par exemple, cette semaine, je faisais une émission avec quelqu'un qui est à l'île de Pâques et qui a traduit Le Petit Prince. Elle disait que c'était impossible de traduire mot à mot parce que dans la langue, alors à l'île de Pâques, ce sont des Polynésiens aussi, hein, ils font partie du triangle. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Il ne faut pas que ça s'arrête au triangle. Parce que ça vient de plus loin. Oui, en plus aujourd'hui, tu vois bien, on est en métropole, donc vraiment ça. Ça rejoint ce que je disais, ça rejoint le cube. Oui, c'est ça. On a vraiment l'impression que tout a un rapport avec le sacré, donc la nature, le sacré, tout a une signification, il y a une codification à travers tout ce qui est fait, hein, donc par rapport aux actions de tous les jours au niveau de la culture futunienne ou wallisienne. Est-ce qu'il y a une origine précise à cela? Est-ce que ça relève des tout premiers habitants? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment c'est arrivé dans votre culture? En fait, c'est... Alors, si je te pose la question, c'est parce qu'aussi, à travers tes œuvres, hein, on trouve beaucoup de significations, beaucoup de métaphores, d'une certaine manière. Des fois, en fait, ça vient comme ça. Le fait de, quand je reste tout seul, c'est comme une méditation. Il y a des choses
qui viennent comme ça. Et à partir de là, par rapport aux écrits, par rapport aux paroles des danses, tout ça, je décortique un peu pour faire un peu le lien. Et des fois, ça rejoint. Et c'est à partir de là que je commence à dessiner. Donc, il y a une connotation spirituelle, tu as envie de nous dire. Oui, il y a aussi une connotation spirituelle dans tout ça. C'est chouette. C'est chouette ce que tu me dis, tu nous dis, parce que j'ai rencontré aussi un sculpteur kanak qui racontait que quand il était petit, son grand-père voulait à tout prix lui transmettre le savoir. Ce savoir de la sculpture, et lui, il aimait vraiment, il n'était pas intéressé, il voulait aller jouer plutôt que d'aller apprendre avec son grand-père, voilà. Et il est arrivé comme toi, en métropole, par l'armée, par le service militaire, et un jour, il ne sait pas comment c'est venu, il était chez son frère, il a vu une pierre dans le jardin, et il a eu envie de la sculpter, et il dit, les gestes sont venus à moi, comme ça, je sache comment. Comment on dit en Polynésie, c'est le mana. Oui, c'est le mana. Oui. C'est le poisson naturel qui. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai juste une dernière question, Malécello. Tu t'inspires beaucoup des tatouages maoris. Donc, c'est savoir que Wallis et Futuna, donc, c'est situé entre les îles Fidji et les îles Samoa. Mm-hmm. Quel est le rapport à votre culture futunienne et wallisienne par rapport au tatouage maori? Parce qu'effectivement, le tatouage maori, en fait, nous qui ne connaissons pas hein, ces contrées lointaines, on ne connaît pas vraiment votre culture. Lorsqu'on parle de tatouage maori, donc c'est vrai qu'on pense aux Épaques, on pense à la Polynésie, mais peut-être pas Wallis et Futuna. Donc, quel est le rapport, justement? En fait, à Futuna, on se tatouait avant que la religion arrive. Et c'est la religion qui a interdit, en fait, le tatouage. Et il faut savoir aussi qu'un artiste, il a un rôle important, en fait, dans la culture. C'est qu'il est toujours accompagné, il est toujours à côté du roi. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. C'est que quand le roi, quand il y a le moment de la prière ou du rassemblement, et que le roi est assis, pose le dos sur la pierre centrale du Malahel, il est en relation avec le ciel, l'univers. Et donc, à travers le roi, il va énoncer à l'artiste, qu'on appelle le Tufuna chez nous, et c'est le Tufuna qui crée tout ça. Et oui. Le tatouage... Une sorte de prêtre, quoi. Oui, c'est... Hein? À Futuna, il y a toujours le roi, il a toujours un artiste à côté de lui. C'est l'artiste qui retransmet en fait tout ce que le roi dicte. Et je pense que le tatouage c'était comme ça. Après, il faut voir dans les autres. Et je pense que le tatouage c'était un moyen. On n'avait pas de livres, on n'avait pas de croix. Je pense que le tatouage dans toute la Polynésie, c'était un moyen de communication, une écriture. Oui, un moyen de parler de ses ancêtres, de parler de sa famille, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen de transmission, d'une certaine manière? Voilà, de transmission de la culture. Ah. Bon, après, en Polynésie, alors je ne sais pas comment c'est à... Des danses. Oui, mais est-ce qu'à Futuna, c'est comme en Polynésie? C'est-à-dire qu'au départ, le tatouage était réservé uniquement aux chefs. Ce n'était pas toute la population qui avait droit au tatouage. Oui, c'était pareil. C'était pareil. C'était aux chefs et aux grands guerriers. Oui, c'est ça. C'est quand il y a un grand guerrier qui se distingue dans un combat, donc on lui met des signes. Donc c'est un signe distinctif. Oui, voilà. C'est un signe de reconnaissance, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est à la hiérarchisation. Voilà. Bon, en tout cas, tes œuvres sont magnifiques. Hein. C'est moi, j'adore. La tortue, c'est l'animal sacré de Futuna. Donc, c'est l'animal protecteur de notre île. C'est une de mes œuvres préférées. Il faudrait qu'on te réinvite pareil pour que tu entres dans ton art et que tu nous expliques, parce que c'est vrai que 20 minutes, ça passe tellement vite. Ça passe vite, effectivement. C'est absolument magique, c'est magnifique. Ouais.
Là, on voit aussi une de tes œuvres pour le 15 de France. Voilà. C'est la victoire en 2023. D'accord. Alors ouais. Que vous avez et celui-là avec des dessins marquisiens, justement. Marquisiens, ouais. Voilà. Je m'inspire aussi des autres, de toutes les îles de la Polynésie. Parce ouais, que ouais. Pour moi, en fait, c'est la même vague. Ouais. Et après, avec l'éloignement, chacun se développe, chacun se perfectionne. Mais c'est la même vague qui sont venues de loin, mais qui sont arrivées dans le Pacifique. Il faut pas. Alors, c'est pour ça que j'insiste. Il faut pas qu'on s'arrête sur un triangle. Oui, c'est ça. Absolument. Tu as raison. Et Malice, Célo, si on veut s'offrir tes œuvres, on fait comment? Il faut m'appeler, en fait. Il faut m'appeler. Mais tu as d'abord une page d'accord. Facebook qui me semble aussi, mais cela dit, on va mettre tes coordonnées. Oui, je vais la partager, bien sûr. D'accord. Et sinon, je vous rappelle que les informations sont déjà sous le descriptif de cette vidéo. Donc, vous avez juste à faire info et puis vous allez avoir tous les liens de nos invités ce soir. Donc, comme l'association Atautuluyana qui a débuté cette émission, Michael Etoui qui était notre invité et qui sera encore notre invité demain, l'invité de Culturil. Et puis toi. Donc, voilà, je le remets en commentaire, bien sûr, mais sinon, vous avez tout ça déjà dans le descriptif de la vidéo. Tout à fait, merci tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau moment d'histoire, ce beau moment de culture, de voyage également, très spirituel, très profond. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie tous. On arrive déjà à la fin de la mission, hein, donc de l'émission « Quand les îles se rencontrent ». Donc, on se retrouve tous les vendredis, donc comme je vous le disais donc, en début d'émission. Donc, on alterne, hein, donc c'est Caraïbes, Océan, Indien et Pacifique. Donc, la semaine prochaine, on sera dans les Caraïbes, on aura le plaisir d'accueillir une grande soprano de la Martinique qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir à notre antenne. On va vous la présenter, c'est vraiment quelqu'un aussi d'extraordinaire. Et on se retrouve également donc demain pour l'émission Trait d'Union, donc qui sera co-animée avec Laure Tarrère, donc qui elle est écrivaine. Elle va nous parler également de son livre et on va accueillir donc nos invités, donc Michael Etui, Denis Pouarroy et Mathieu Gamma. En tout cas, merci à tous. Merci, Lénaïque. Merci tout le monde. Merci. Merci, Malécello. Merci tout le monde, ceux qui nous entendent, tous les territoires ultramarins et les autres. Merci à vous. Oui, parce que quand les îles se rencontrent, c'est l'émission qui donne la parole aux ultramarins. Donc, on compte sur vous. Faites passer le message et envoyez-nous des invités pour qu'on parle de nous. Alors, aujourd'hui, c'était Wallis et c'était aussi la Polynésie via l'association Atautuluyana. Et puis, bah, y a tellement d'autres endroits ultramarins à visiter. Donc, plein de bisous. Ciao, ciao. Les îles sont plurielles. Merci, au revoir. Merci à tous.